on s'amuse entre nous et on est content d'être là, ce qui est hyper important parce que c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup de fatigue, beaucoup de stress parce que ça doit aller vite et en même temps, ce qui est très agréable, c'est que je crois que tout le monde a envie de qualité, vraiment. Donc ça se sent. Ça se sent dans le travail, ça se sent avec mes partenaires et on est aux mêmes endroits de jeu. C'est très agréable. Le personnage de Léa, moi je le trouvais assez beau parce qu'il y a quelque chose de fort et de fragile à la fois. Et ça m'intéressait aussi de réexplorer l'adolescence. Moi j'ai pas du tout l'âge de mon personnage, donc c'est aussi quelque chose de l'ordre de la composition qui est très chouette. Elle a perdu sa mère quand elle était petite et donc elle vit toute seule avec son père qui du coup est extrêmement protecteur, voire étouffant. Donc c'est une espèce de relation à la fois très fusionnelle parce qu'on sent qu'ils sont très complices, qu'ils sont proches, qu'ils rient ensemble, il y a une vraie belle complicité, mais en même temps qui manque un peu de liberté pour l'adolescente qu'est Léa et qui a besoin un peu de respirer et de se sentir un peu plus libre. C'est une jeune fille qui est très amoureuse, qui donc rencontre Théo et c'est une sorte de coup de foudre. Et donc Léa décide de l'aider, ils deviennent très vite très amis et elle tombe très amoureuse de lui, quoi. Donc c'est aussi une part importante de l'adolescence, je crois, qui est agréable à jouer, même si tout ne se passe pas forcément comme on veut. Là où j'ai vraiment eu l'impression que ça démarrait, c'était justement la scène du baiser avec Théo, du premier baiser avec Théo, qui était ma scène de casting d'ailleurs. Je pense que c'était pour ça aussi que c'était bien de la faire en vrai. C'est comme si ça marquait le début de quelque chose, vraiment. Et c'est à la fois une scène qui est douce, qui est un peu drôle aussi, parce que tout de suite, Léa, elle l'embrasse et puis elle panique de l'avoir embrassée et puis elle se casse. Donc ça montre plusieurs facettes de ce personnage-là qui est à la fois drôle, fragile, touchant et un côté un peu brusque alors qu'elle est aussi timide. C'est aussi dans le retrait et dans le... comme quand on est en train de grandir en fait.